Bonjour et bienvenue sur DNA Games pour la suite de Super Mario World Yoshi's Island. Alors je tiens à dire une chose, il n'y a pas de son, pourquoi? Parce que j'ai eu des nouvelles de notre ami Nintendo qui a dit que j'avais les musiques en droit d'auteur. Et donc il est pas content. Il a dit, mais Devil, en fait, t'as pas les droits d'auteur pour faire ça mec. Alors ah non. Je me rappelais plus de ce truc. Nu. Vilain doggy. Tiens, bouffe. Haha. Ceci est un cauchemar d'enfance, je tiens à le dire. Vraiment, ce truc m'a fait... C'est comme le rhinocéros dans Crash Bandicoot 3. Enfin non, le triceratops dans Crash Bandicoot 3. Ça m'a traumatisé. Je me suis fait courir après par cette créature. Alors je remarque dans cette vidéo que c'est très mal cadré. Peut-être que vous ne le verrez pas parce que... comment... YouTube fera que non. Alors je me rappelle de ce niveau maintenant. La dernière fois je m'en rappelais plus du tout. Il faut pas que je l'avale. L'objectif est donc de retrouver la clé qui nous mènera jusqu'au boss. Vous n'entendez peut-être pas cette musique. Mais moi, disons que j'en ai besoin. Alors, j'ai essayé d'aller dans le menu pour enlever la musique, mais il n'y a pas moyen. Vraiment, il n'y a pas moyen. La clé. Ne vous inquiétez pas, on va quand même aller visiter le... Je vais quand même aller visiter le Nether, hein. Je ne sais pas si c'est la seule clé qu'il faut que je récupère, mais je vais... J'ouvre et si je peux, je repasse. Oui, je peux repartir. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. En fait, il faut que je récupère plein de clés, voilà. Les souvenirs qui reviennent, vous voyez? Ça vous est jamais arrivé, ça? D'un coup, vous vous retrouvez dans un... Vous rejouez à un vieux jeu, vous regardez un vieux film dont vous vous souvenez plus. Et puis, c'est ces souvenirs qui se ramènent. Les souvenirs du caca. Les souvenirs de l'apocalypse. Les souvenirs de la mort. Alors, vous voyez ce... Ce petit bateau. Qui flotte sur l'eau. N'oublie pas mon petit soulier. Ça vous dirait hein, que je fasse avec un fou accent en belge hein. Que je fasse avec un fou accent en belge toute la vidéo. Ça serait un peu des paysans hein, par rapport... aux autres qui font des vidéos et qui ne sont pas belges. Moi je suis des paysans. Je vais appeler cette série Les noix de coco et dépaysement. Parce qu'on dépayse mieux que les noix de coco, nous. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Mon cul! Mon cul! Mangez les petits culs, ils brûlent!
toute façon, on a 49 vies. Oui, c'est ça qu'on va devoir affronter, je pense, comme boss. Mais je sais plus comment le vaincre. Bon, ben, je vais un peu laisser tomber la lave pour le moment. Allons voir Allons voir le match de foot. Emmène-moi au stade voir le match de foot. Emmène-moi au stade voir le match de foot. Ça me fait penser à un personnage, pas de Dragon Ball, mais vraiment de l'auteur Akira Toriyama. Je sais pas si vous verrez de quel personnage je parle, mais moi, en fait, celui dont je parle, c'est un personnage qui n'est pas... Ah non ! J'avais pas vu les pics. Qui n'est pas vraiment un personnage, à proprement parler, je pense pas d'une série, mais qui apparaît dans son jeu Blue Dragon. Et j'ai même vu une figurine de lui dans un set de figurines Dragon Ball. Autrement dit, comment... plutôt Spot, quoi. C'est une créature avec un masque à gaz, des mains en forme de pince. Donc je vais reprendre la lave, c'est plus sûr. Et donc c'est un personnage énigmatique. Je sais pas s'il va, il le fera pareil dans d'autres jeux, mais dans Blue Dragon. Et quand on discute avec lui, il fait Toripo. Toripo. Et ça m'avait bien fait marrer. Et quand j'ai vu sa figurine, ben, je me suis dit, mais attendez, il est pas juste de Blue Dragon. Donc je pense que c'est un petit clin d'œil d'Akira Toriyama. Peut-être à Dragon Quest, je ne sais pas, je n'ai jamais joué à un jeu Dragon Quest. Oui, honte à moi. Mais bon, c'est honte à moi, pas honte à vous. Si vous jouez à Dragon Quest, moi j'ai pas eu cette chance d'avoir sous le sapin un jeu Dragon Quest. Le seul dragon. Ah! je crois que je vais galérer sur ce niveau, quoi. Donc je pense que la vidéo toute entière va être juste consacrée à cette vidéo. Enfin, à ce donjon. En plus, j'avais déjà une clé, quoi. Le mec il se réjouit, il a une clé, il est venu ouvrir la porte, quoi. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. On va essayer celui-là. Si pas, je fais une ellipse, hein. Vous êtes prévenus. Si je vois que je galère, je fais une ellipse et vous ne retrouverez... Ah oui, ici. Voilà. Il me semblait bien que c'était un truc dans le genre. C'est une espèce de cube. Damn, pense à un truc cool. Vous n'entendez pas cette musique, ou alors très peu, mais en tout cas, Nintendo ne peut pas me faire chier et dire que ça m'appartient pas. Alors que j'ai jamais dit que ça m'appartenait, j'ai juste dit que c'était un jeu Nintendo. Si vous voulez, j'irai m'acheter une Super NES demain et je vous donnerai de l'argent. Je vous le donnerai. Enfin, si j'oublie pas d'aller à la banque, parce que j'oublie souvent qu'en réalité, je dois aller à la banque donner du fric à vous. J'ai pas très envie de donner mon fric à une compagnie qui fait de la merde. À partir de maintenant, je vais me taire et arrêter de chanter. Je suis désolé, mais bon, Splatoon.
quand même l'avouer. C'est Team Fortress sans le fun. Faut se l'avouer. J'ai vu des gens jouer à Team Fortress. C'est génial. J'ai Team Fortress sur Xbox, mais ça sert à rien. La plupart des gens sont sur PC quand ils y jouent. Sur Xbox, tu vas avoir 3 clampins. Et oui, je joue sur Xbox grâce à ma Blue Orange Box. Enfin, ma Orange Box. Ah non! Rendez-moi mon bébé! Oui, c'était une pièce, mais je veux mon bébé! Mais non, mais... Yoshi! 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 Rends-moi mon bébé! Espèce de monstre! Non mais ça va pas hein, d'emmener les bébés des gens! Je te pisse à l'arrêt, moi petit con! On va s'amuser! Tiens! Donne-moi des bombes, toi! Rends-la-moi! Piu 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 piu. Je crois qu'il y avait pas de clé ici. Ou alors elle est bien planquée. On va quand même essayer hein. Mais bon. On aura essayé, il y a pas de clé. C'est juste un grand chemin qui te fait retourner à l'entrée. Ou alors je l'ai loupé, c'est possible. Ah, peut-être ici. C'est peut-être un des deux trucs qu'il fallait que je dévoile. Fais pas yesh, voilà. Je t'ai fait. J'étais complètement blusé. Ah merde, je l'ai pas totalement blusé en fait. Tiens. T'as gagné une piécette. Oui! La clé! Si tu veux la clé, il va falloir répondre à une énigme! Si tu veux la clé, il faut répondre à l'énigme. Oh, oh, oh. Mon énigme. Je suis vieux. J'habite dans une... merde. J'ai oublié. Je suis vieux. J'habite dans une tour. Enfin, dans un phare. Merde, j'oublie. Et maintenant, je suis venu partie de Fort Boyard. Mais je n'y suis plus comme avant. Qui suis-je? Vous trouverez jamais. Si vous trouvez dans les commentaires... Ben, je vous dirai ben joué, mais je dirai rien de plus. Je vous donnerai pas d'argent, je vous donnerai pas d'abonnés, je vous donnerai rien. C'est l'argent des abonnés, il est à moi. Je déconne. Hein. Alors, par contre, faut pas que je meure parce que. Il y a plus de points de sauvegarde. Ah! Ah! Ah bah tiens, ce sera pour une fois, tiens, j'arrête la vidéo ici, voilà, et j'arrête la vidéo, et voilà. Enfin, j'ai pas fait exprès. Bon, je vous dis à bientôt sur Diane Games, c'était Devil, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire, de mettre un rhyme. Et de partager la vidéo ou abonner, je sais pas ce que j'ai pas dit. En tout cas, je l'ai dit maintenant. A plus!